Merci Michel Delpech, que vous retrouverez tout à l'heure. Il nous chantera son dernier succès quand j'étais chanteur. Voilà, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. Vous l'avez vu tout à l'heure devant les caméras de Jacques Brielli dans l'émission de Maurice Dumay. C'était la finale. Elle s'appelle Catherine Ferry et vous la verrez. Michel est venu également à ses côtés. Vous la verrez souvent. Et en jugé par le nombre de photographes qui sont à côté des caméras, on peut dire que vous allez avoir la une des journaux pendant plusieurs semaines puisque le 2 avril, vous allez donc défendre des couleurs de la France. Le 3 avril. À La Haye. À La Haye. Voilà, c'est elle. Elle a gagné. Catherine Ferry et Evelyne Leclerc, qui vous a présenté pendant 3 dimanches ces demi-finales et cette finale, va nous dire le nombre d'appels enregistrés pour cette finale. Appels et participations exceptionnelles. Hein. Oui, c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, entre 13h et 14h, eh bien, nous avons obtenu à SVP, et il faut remercier, je crois, les standardistes qui ont fait un gros effort, 21 500 appels. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et alors, sur ces 21 500 appels, 6348 sont allés à la chanson 1, 2, 3 chantée par Catherine Ferry, qui était accompagné par Tony Rallo. Les paroles de cette chanson sont de Jean-Paul Carra, qui est ici, derrière moi, Rémi, vous l'avez. Et la musique était d'ailleurs signée Jean-Paul Carra et Tony Rallo, c'est l'autre, le chef d'orchestre. Bon, alors, on peut peut-être donner les autres résultats avant de lui demander ses impressions. Oui, parce que ce concours de la chanson française décerne quand même 3 prix. Il y a une médaille d'or qui revient à Catherine, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et évidemment, c'est la médaille d'or qui ira à La Haye pour l'Eurovision. Mais il faut quand même parler des autres qui ont fourni un gros effort et qui... Alors, médaille d'argent. Qui la mérite bien. Médaille d'argent, numéro 2, donc Marie-Valentine. C'était une chanson interprétée par Jean Guidoni, qui a reçu, elle, 5482 appels. Vous voyez que c'est très précis. Et alors, la médaille de bronze La médaille de bronze. Harmonie 5, c'est ça? Harmonie 5, ne dis pas que tu m'aimes. C'était un groupe qui a reçu, lui, 4014 appels. C'est quand même une performance. Bon, alors 1, 2, 3, Catherine Ferry. Alors, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel âge avez-vous? Comment vous sentez-vous? je me sens mieux. Oui. Je me sens mieux maintenant. Je suis très contente. Je remercie le public. Vous chantez depuis combien de temps, Catherine? Moi, j'ai une chance, je chante depuis très peu de temps. Très peu de temps? Oui. Ah bon. J'ai une chance, c'est que Jean-Paul est venu me voir chez Barclay. Mmh. Il a présenté une chanson. J'avais déjà préparé un disque et on a pris la chanson de Jean-Paul pour l'Eurovision. Il faut préciser que Jean-Paul Carra a déjà derrière lui une solide carrière de chanteur interrompue mais qui va reprendre, c'est ça? Oui, je vais reprendre, oui. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez vous entraîner encore avec l'orchestre? Je l'espère, oui, parce que j'en ai quand même besoin. Vous êtes un petit peu ému et ça se comprend. On peut vous réécouter maintenant. On va demander à Rémi de nous envoyer la réalisation, la super réalisation de Jacques Brielli. 1, 2, 3 par Catherine Ferry. On l'applaudit déjà. Chante dans ce paladin, dans la honte folle, entraînez-moi, donnez-moi l'amour et la
Catherine Ferry, F-E-2-R-Y, c'est un nom que vous allez voir souvent à la une des journaux, jusqu'à ce Grand Prix d'Eurovision le 3 mars. Comment vous trouvez-vous là? Ça vous gêne de vous revoir comme ça? Oui, je me trouve moche. Ah bon? Non, c'est bien, non? Je vais demander à Michel Delpech l'avis autorisé d'un professionnel. Ce qu'il pense. Moi, personnellement, j'ai l'impression que cette chanson ne sera pas loin. Bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même entendre les autres dire ça. Mais enfin, je crois que de toute façon, effectivement, elle ne sera pas loin. Parce que je, sais pas, puis je trouve ça fin en plus. C'est joli. C'est plus qu'efficace. C'est d'abord efficace. Et puis en plus de ça, ça a une certaine classe. Donc je pense que ça ne sera pas loin du tout. Alors, je ne voudrais pas donner le trac davantage. Mais vous savez que le soir, le grand soir de l'Eurovision, ce sont des millions de téléspectateurs qui vont vous voir. Hein. C'est retransmis en Eurovision, hein, dans toute l'Europe. Oui. Alors